Alors, là, il y a une gare intermédiaire qui avait été faite. Est-ce qu'elle marche? Est-ce qu'elle avait été finie? Il semblerait que oui. Ça a l'air de marcher. Incroyable. Ah, par contre, problème. Ah non! Minecart, reviens! En haut, il y avait un minecart et il n'y avait pas de zone de stockage parce qu'elle n'avait pas été finie. Donc j'en ai récupéré un. Est-ce que le deuxième il s'est barré jusqu'au bout de la planète ou est-ce qu'il s'est arrêté dans, dans le trajet? Enfin, je vois ton nom. Ah bah de toute façon je suis juste à côté. Ah le deuxième minecart il est là. Ça devait être celui avec lequel t'es venu je pense. Ah putain c'est ça, c'est un trou qui est là, j'aurais pu le trouver moi-même. Coucou. Tiens, je te mets un minecart. Let's go. On se suit peut-être d'un peu près. On va mettre le système à l'épreuve. Quand on va arriver en gare, je sais pas ce qui va se passer. Oh, le serveur il souffre. J'ai des petits freeze qui sont un peu durs quoi. Ouais. Après c'est toujours pareil, hein. On est dimanche soir. Hein. Que ça marche. Hein? Ça a marché. On a rien cassé. Ah non. Alors toi, c'est vers le nord, je crois. C'est pas. Ouais, c'est vers le rouge. Ça s'appelait Varisvara à l'époque, je crois. Ah non, Varisvara, c'était il y a très longtemps. Vas-y, monte dans le train. Par contre, faut que j'attende qu'il soit parti, sinon là, c'est sûr que ça va bugger. Sauf que ça s'appelait pas Vestia. Oh, Varisvara, mon gars, c'était il y a 1000 ans. Varisvara, c'était il y a au tout, tout début du serveur. Comment est-ce que je l'aurais appelé sinon? Bah, tu lui as pas donné de nom. Là, là t'as quasiment rien créé là où on est. Bah, quand même, j'avais construit que 2-3 bâtiments déjà. Ah non, non, pas du tout. Ah non, 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 ça, ça date d'il y a 4 ans, les bâtiments que t'avais construits. Ouais. 3 ans? 4 ans? 3 ans peut-être. Non, tu les avais créés en 1.5.2 les bâtiments. Depuis qu'on a fait la mise à jour, t'avais pas encore construit de ville. Tu venais à peine d'arriver. Alors j'espère juste qu'il y a vraiment l'arrêt, que ça va nous arrêter. Je crois que oui, j'avais mis un bout de pierre au bout. Merde. Merde. Coucou. Ça va avec les lags, je t'en rattrape pas. Ah, attends, 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 c'est là que tu t'arrêtes. C'est ici, chez toi. Ouais, faut monter là. Il y a un petit panneau Liam. Touk, touk, touk. Je monte avec toi, puis après je vais faire la gare intermédiaire. Pour que t'aies une gare propre. Alors, je crois que t'habitais un tout petit peu plus par là. J'habitais près de la rivière. Ouais, c'est ça. Ah, j'y vois rien. Oui, on y voit pas grand chose.
Non, brightness bright, non les shaders ils me niquent un peu en plus. Hein. Attends, c'est où? Ouais, okay. J'ai de la lumière là-bas, donc... Ouais, c'est des chemins de... c'est un chemin de torche qu'il y a là. Là-bas, on voit la ville. Alors, est-ce que c'est le bon? Tiens, là, il y a de l'eau. Je sais que j'avais fait la gare vraiment pas loin, donc... C'était quoi, ça? De quoi? Bah, la lumière, là-bas, hein. C'est là? Mais il y a la ville qui est déjà là-bas? Oui, la ville, on la voit d'ici, ouais, de chez toi. Quand on l'a préchargée, par contre. Si tu la précharges pas, enfin si on n'en vient pas, si on la voit pas. Ah par contre, ça doit pas être... Ah mais tu avais déplacé plus près quand t'avais fait la mage, non? Plus près de quoi? De chez moi. Non mais, chez toi, ça n'existe plus. Chez toi, c'est genre méga très loin. Genre ici, c'est le nouveau chez toi que t'avais commencé à construire, mais y a rien. T'es sûr? Mais oui! Toi, ta Varisvara, c'est à des milliers de blocs, des dizaines de milliers de blocs. Et ça existe plus du tout? Je sais pas, je sais pas. Je me souviens que même après que t'avais rechargé la map, j'y étais, quoi. Mais non, t'avais construit deux villes. La première, c'était Varisvara. Et la... ouais. Ça, c'est moi qui l'ai construit avec toi il y a peut-être 7 ans. On avait coupé du sapin en masse. Et après, avec Stup, t'avais construit une autre ville. Avec ouais. Un Bordeaux, bord de l'eau et tout, qui s'appelait pas Varisvara, je sais pas comment il s'appelait. Ah putain, j'ai plus de bouffe. Ah tiens, je t'enfile. Tac. Il est où le squelette là? J'aurais pu utiliser ça pour voir la rentrée sur l'autre jeu. Donc il y a 2-3 ans, t'avais construit une autre ville avec Stup. Ouais, et c'est ça là, et après, on a déménagé. Et après, la ville, on a fait la mise à jour et tout. Mais on est méga méga loin de cet endroit. Ah par contre je retrouve plus ta maison, elle doit vraiment être à côté de nous là. J'avais déjà construit une maison? Non, je crois que t'avais juste des bambous et d'un lit, des outils. C'est vrai que j'avais galéré pendant un moment entre du bambou. Tac tac tac. Mais où est-ce que c'est? Non mais je pense qu'on était en train d'aller du bon côté. Hein. Si on y voyait quelque chose, ça pourrait aider, mais... Faut qu'on change des bambous. J'ai même pas de torche sur moi, ça. Oh, les fantômes de merde. Aïe. Et dire qu'on arrive à survivre sur... sur Warzone, enfin sur DMZ. Et que là, on en revient avec contre des fantômes de merde. Je sais pas où t'es parti. Ouais, je crois que j'ai entendu où t'es parti. Bon, dans le pire des cas, c'est pas un moyen, je vais toujours recommencer. Mais... ouais, mais bon, on avait posé la bannière et tout, puis en soi, on est vraiment juste à côté, j'ai créé la route exprès. Ouais, je sais pas ce que t'as entendu sur là, mais c'est pas une route. Ah, c'est bon, je l'ai. C'est là. En fait, on était vraiment pas loin. C'est juste qu'on avance à rien dans les arbres. Ok, y'a du bambou, y'a de la bouffe. T'as un coffre, je sais pas où. Si, t'as des coffres à côté du lit et de la bannière. Tu te rappelles plus de ça, du coup? Non. Oh la vache. Oh, il y a rien ici, c'est pas mal, justement. Et donc ça... faut vraiment que j'en pense à zéro, quoi. Bah ouais, après, si t'as des affaires ailleurs, tu peux les ramener, par contre. J'ai bien un coup. Mais j'ai pas de lit. Ah si, là, il y a un lit. Après, par contre, on peut ramener tes affaires de ailleurs, si t'as des trucs. Mais je me souviens plus, par contre. Mais c'était... De quoi? Tu te souviens comment y aller? Bah, on peut retourner à l'ancienne ville par le Nether. Par contre, une fois qu'on est à l'ancienne ville, les voies ferrées, elles ont été baisées par la mise à jour. Donc je sais pas trop comment on va y aller, mais on peut essayer. Je t'avoue que je sais même plus... Alors, Varisvara, je sais... Attends, non, je sais même plus de quel côté c'était. Bah, après, à la gare, ça l'indique, donc on saurait dans quelle direction c'était.
Ouais, quand j'ai commencé, on va refaire une petite maison ici pour commencer. Ah tiens, attends, est-ce qu'il est pas là l'accès? Ça c'est ta mine. Ouais, c'est ça, ça c'est ta mine. Toi, t'avais mis des escaliers tout le long. Ok. Alors, faudrait que je ramène le train jusque-là en fait. Je vais le faire à partir de ta mine, le train. Moi. Ce sera plus pratique. Je vais mettre quoi en quelle couche? Faut pas que je mette trop profond, ça sert à rien. Mettre là. Ah, par contre, j'ai aucune idée du coup d'où est le train, parce que. Attends, faut que je retrouve les coordonnées du train avant de faire ça là. Alors, où c'est qu'il est le train? Limite, vaut mieux que je parte du train, comme toi t'es là, tu me sauras, pourras me dire tes coordonnées au fur et à mesure. Et du coup, tu te souviens de la ville que t'avais fait avec Sup ou pas? Mais c'était pas ça, Prisma. Non, non, non. Tu te souviens de... Alors du coup, est-ce que tu te souviens de Varesvara? C'est la ville que... où tu m'as fait couper des milliers de sapins. Me souviens qu'on est égal à un pont débile, mais. Alors ça, c'est avec Stup. Le pont débile, c'est avec Stup. Moi, j'ai pas participé. Non, là, si je lui fais construire un grand pont, le pont de ville, je ne sais pas ce que c'était, mais c'était un pont de ville qu'on n'arrivait pas à construire, c'est simple comme tout. Je sais pas, mais je sais qu'avec Stup, vous avez construit un pont. Mais à Varisvara, il n'y avait pas de pont. Il y avait. T'avais fait une tour d'alchimie à Varisvara. Ah, une trousse de sorcier, ouais. Que j'avais vu dans une vidéo, que j'avais envie de reproduire. Oui, et on l'a filmé en timelapse ta construction d'ailleurs. Là encore. De quoi? Tu l'as encore, ça? Je pense qu'elle est toujours sur la chaîne Le Contemplatif, ouais. Enfin, je sais pas, en vrai, peut-être. Bah, je pense, ouais. Oh. Par contre, ça doit être dans les tréfonds de la chaîne, mais oui. Attends, en vrai, j'ai regardé. Le Contemplatif. Alors, comment je vais retrouver? Il y a 500 vidéos, je crois. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Alors, remarque, ça descend vite. Hein. Oh, au moins, c'est pas comme Insta où ça met pas 15 ans. Alors. Oui, je les ai. Timelapse. Bah, tiens, c'est des vidéos de. Pour le coup, là, si tu veux regarder, c'est des vidéos de. Il y en a 3. 4. J'ai une présentation de ta ville, d'ailleurs, qui s'appelle Artus Varisvara. En bas. Hop. Tac, tac, tac. Copier le lien. Oh putain. Oh c'est trop drôle. On avait mis une musique et tout, y a pas. Je crois qu'on parle pas. Je t'envoie ça par Discord. Même mieux comme ça, non? Franchement, c'est très drôle. Je savais pas qu'il y avait encore ces trucs-là, j'y pensais plus. Oh putain, c'est un 360p. Oh la vache, la vieille époque. Il y a 6 ans. Ouais, tu vois, Ah, pas. c'était vraiment la vidéo Minecraft, quoi. Tu vois, je t'ai dit il y a 7 ans, mais j'étais pas loin. Varisvara, c'est vieux du fou. Ah, la mairie dégueulasse, là. C'était ça, Varisvara? Ah oui, j'ai construit un manoir tout en haut de la Oui. colline. Oui, complètement. En vrai, si ce n'est que c'est saccadé et tout, je trouve ça sympa à regarder. Les constructions seraient plus ouf, bah ce serait incroyable, enfin c'était à l'époque quoi, c'était il y a 6 ans quoi. Ah bon, le manoir, il est dégueulasse. Ouais, ça va quand même, mais oui, bon, enfin tu fais mieux maintenant, c'est sûr. Et du coup, c'était ça, Varisvara. Incroyable. Et du coup, à la même époque, bah, du coup, il y a toutes les vidéos de présentation de la ville principale.
Timelapse, ouais. La maison luxurieuse. C'est pas moi aussi, ça? Si, je pense que si. T'avais fait ça quand t'avais pris un compte et t'avais. Mais je pense que c'est toi qui construisais et moi j'étais fixe en l'air. Hein. T'étais AFK, non? Je pense, hein. Bah, enfin, on discutait probablement, mais. Oh putain, le timelapse de la tour d'alchimie dure 12 minutes. Hey, c'est pas des timelapses très rapides hein, qu'on faisait, putain. Ah si, là il y en a un 45 secondes pour la chapelle. On voit tous les arbres que tu coupes à côté, avec toutes les plantations d'arbres. Mais ouais, Varizara, moi ça m'avait traumatisé pour tous les arbres qu'on avait coupés sur le sommet de la colline. Oh là 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 là, ça m'avait traumatisé. Varizara, je pense qu'il reste rien en stuff. Par contre, à la deuxième ville que t'avais fait avec Stup, il y a moyen qu'il restait des trucs. Parce que je pense pas que t'avais pris le temps de la vider. Bah déjà, t'as l'Under Chest aussi, où il doit y avoir des trucs dedans. Ah, peut-être qu'il y a que ton argent dedans, je sais pas. Putain, mais j'ai pas de torche sur moi. Ah oui, je sais pas, j'ai du bois et du charbon. J'ai pu faire des crafts. Ouais, ça c'était une autre époque, hein. Ouais. Là, j'avais encore mon vieux skin avec la ceinture et le costume et tout, quoi. La tête jaune dorée. Des premières vidéos que t'as mis sur LRV. Bah, il semblerait qu'en. Ouais, la chaîne LRV, avant que ce soit une chaîne de jeux vidéo, c'était la chaîne de Quentin et de Vincent. Donc, je pense qu'en termes de vidéos de jeux vidéo, ouais, c'est une des premières du coup. Ouais. Du coup, les vidéos de l'ancienne chaîne, elles sont en privé maintenant. Les vidéos de Quentin et de Vincent, elles sont en privé. Mais du coup, ouais, bah du coup, oui, ça doit être les premières, puisque c'est les premières qu'on voit tout en bas. Nous, on avait une autre chaîne qui s'appelait. Comment elle s'appelait, notre autre chaîne? Lui et moi B. Ouais. Et lui et moi B, c'est devenu. C'est pas devenu RMDB Corp. Je crois que oui. Oui, parce que j'avais encore les accès, je crois, à l'époque. Oui, je crois que c'est celle qui est devenue RMDB Ça Corp. suffit toujours pour changer les mots de passe. Non, j'ai pas changé mot de passe, je crois pas. Donc ouais, Non, c'est ça. c'était ma trompette, le mot de passe, plus. Donc 72 le mot de passe, non? C'était. Non, on avait fait un mot de passe composé avec nos deux noms, je crois. 2298? Moi, je crois que c'était Liam Mathieu 98 en attaché. Ouais, c'est possible. Je crois que c'est ça. Hein. Et je crois que je l'ai pas changé, donc en soi, tu y as toujours accès. Hein. Peux tout supprimer Tout à demain. fait, c'est vrai. Il y avait, bah, de toute façon, en fait, il y avait ma chaîne d'Urbex, qui est toujours la même, en fait, qui a changé de nom, mais qui est inactive. Enfin, je poste un truc ou deux par an dessus, quoi, qui est même plus de l'Urbex, du coup. Il y a du coup RMDB Corp qui était lui et moi B avant, où il y a toujours les vidéos en privé. Il y a du coup le contemplatif qui est l'ancien Le Rire Vivant de Quentin et Vincent. Et il y avait une quatrième chaîne, tu sais, où c'était des dessinateurs et des trucs comme ça, où c'était une chaîne communautaire. Mais elle, par contre, je crois qu'elle est à l'abandon, je sais même plus comment elle s'appelait Bon, pour le coup. ça, je saurais même pas te dire quoi. Ça, je me souviens même plus comment. Ah, il y avait le mot studio dedans, je crois. Tu peux me donner les coordonnées de ta maison? Je suis bientôt rendu, je pense. J'ai pas de maison, mais. Enfin, ton lit, du lit. Alors, voilà. Moins 5460.
Moins 173. Ok, et eh ben je suis à 5, moins 5410, donc ouais, je suis vraiment pas loin. Je vais le mettre dans le chat, c'est comme ça, à peu près. Merci! Je me tanque dans ta mine ou tu veux que j'aille jusqu'au lit? Dans la mine, ça va, c'est bien. Ok. Ouais, du coup, si tu... quand tu passes patron de la mine, j'ai encore des blocs à creuser, donc t'as le temps, mais si tu passes patron de la mine, c'est pas me donner les coordonnées. Tiens, bah. Ah bah! Okay. J'ai vu une torche, et en fait, je suis à. J'ai creusé, en gros, avec à deux blocs. Enfin, il y a un bloc entre. Tu viens que j'ai creusé et ta mine. Et du coup, quand j'ai vu une torche, bah, à côté, c'était la mine. T'as des quoi? Ouais, je suis en train de réinstaller un mode de minimap. Ça se pratique. Tac. Ok, donc ça c'est creusé. Je vais aller faire la gare intermédiaire. Putain, par contre, j'ai trop de blocs sur moi. Impeccable. Non. Faut que je me souvienne comment on fait les gares intermédiaires par contre. Ça, c'est pas gagné. J'ai vraiment trop du mal, j'ai trop l'habitude d'utiliser le commande d'Apple, donc j'arrête pas d'appeler sur Alt maintenant pour faire des actions. Bah ouais, du coup, ce qui est drôle, c'est que je suis sur un clavier Windows, même si même quand je j'utilise dans Apple, du coup, j'ai Ouais, pas moi trop je ce fais problème. ça au travail, j'ai le clavier à la con Mac là qui est Ouais. nul à chier d'ailleurs. Oui, je le trouve aussi. Mais de toute Très petit façon, plat. La ouais. souris Mac aussi, c'est un enfer. Ouais. En Parce que fait, le chargeur est en dessous de la souris. le concept d'avoir les commandes du trackpad sur la souris, c'est génial. Mais la souris en elle-même est vraiment chiée. Faut peut-être te faire chier à trouver les options déjà pour activer le clic droit. Alors, la gare intermédiaire, il va falloir un peu plus de place encore, je pense. J'ai des trucs qui chargent. C'est pas bien. Alors, comment que je fais les gares intermédiaires déjà? Alors déjà, je vais commencer par les rails, c'est le plus simple, je pense. Oh, je me souviens plus. Doud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 o
J'ai entendu un espèce de bruit de wagon dans Minecraft alors qu'on est tous les deux. J'avais jamais entendu ce bruitage d'ailleurs. Tac. Impeccable. Donc ça, c'est la descente. Ensuite, il faut le tableau de commande en face. Alors, le rail qui donne la direction, il doit être là. Faut qu'il y ait une possibilité d'aller genre par là. Non, faut que ça aille tout droit en fait. C'est plus simple comme ça. Un repeater. Là, je reprends Minecraft à la dure, directement de la redstone. Hein. Tu t'en sors avec ton... J'essaie un peu de recomprendre ce que j'ai et ce que je peux faire. Quoi. Ouais. Alors, comment on alimente cette merde déjà? Faut que le bouton de gauche... Non, faut que le bouton de droit, il alimente, je pense. Faut faire un test. Torche de redstone. Ok, ça marche. Il faut que ce soit lui qui l'alimente. Je crois que ça marche comme ça de mémoire. Fuck. Ah bah oui, parce que par défaut, du coup, il a activé ce débilos. Donc par défaut, il va aller tout droit. C'est l'inverse qu'il faudra, en fait. Donc lui, il faut juste que ça booste. Lui, il faut que ça fasse tourner.
Impeccable. Normalement, ça marche. Ensuite, faut brancher ça. Genre là-dessus. Hop. Normalement ça marche. On va fermer pour voir. Alors ça par contre c'est que l'aller, il n'y a pas le retour là pour l'instant. La petite musique. T'arrives pas à installer le mode? Enfin, le... Il y a des problèmes de compatibilité, j'ai l'impression. Ah. C'est bizarre. Après, Johan, il en a un mob de minimap. Je peux lui mettre un petit message si jamais il n'y arrive pas. C'est juste qu'il n'y a pas d'entrée qui se crée dans le... dans le menu de commande, là, tu vois. Ok. Je te dis, on lui demandera son mode et puis tu passeras. Sinon, allez hop, minimap avec les à la main. Hein. Ah, mais si j'ai un bouclier ou quelque chose, je le calme quoi. Si quoi? Si je porte un bouclier. C'est difficile. Rien d'impossible pour les cœurs valeureux. Impeccable. Donc là, normalement, ça, ça part là-bas. Là, faudra un coup de boost. Il faudrait qu'en cas de retour, du coup, cas de retour, il faut que je fasse les voies retour, parce que là, on a que les voies pour aller, et pas les voies pour revenir. Donc là, pour revenir, il faut que ça tape là-dessus. C'est ça? Ouais, c'est ça.
mon cerveau est cassé. Oh, ça y'a pas grand chose à détruire pour commencer. Hein. Comment on fait pour que ça passe par là? Ah, si, comme ça. Oh, c'est chiant, il y a une grotte à côté là. Je vais le murer. Donc... Là, je vais peut-être faire un système que j'ai jamais fait pour Interchamp, pour faire de la gare intérieure. Pour le retour, j'ai une idée. Normalement, si ça lui rentre comme ça, et que ça va par là, ça doit marcher, forcément venir par là. Et du coup... Oh là là, je suis un goutte. Merde. Par contre, ça, ça marche pas. Ah, alléluia. Merde. Comment je fais pour lui forcer? Je sais plus comment j'avais fait dans la fois. En tout cas, le départ... L'arrivée doit être là. Mais sinon, tu demandes juste comment installer le minimap en 16.5, non? Alors, le truc, c'est que je sais quand même comment faire ça. Ça fait des années que je vois de Minecraft, quoi. Plus que ça n'a pas l'air de marcher. Donc, je sais pas si le fichier est pété ou. Je sais pas quoi. Mais... Okay. Ça, c'est pas grave. Ok. Alors, ça, c'est le retour. Le retour. Chez lui. Ah mais si je le... Mais il est con. Ah il essaie quand même de se coller à ce rail. Ouais, je savais pas qui ferait. Ah ok, là ça marche. Impeccable. Donc là, normalement, faut que je mette un rail booster là. Bon, c'est que pour le retour, cette voie-là, de toute façon. Donc... Ok. 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 Ça c'est peut-être trop long. Ok, tac. On sent que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, disons que le schéma est un peu grand, quoi. J'ai fait un peu large. J'ai bien pris de la place entre chaque truc.
Là, ça fait un petit détour, hein. Bon, tant pis, c'est pas grave. Hop. Alors, il va falloir une chier de fil. Il te faut une chier de fil? Ouais. Tu veux faire quoi? Des achardages. Ah, oui. Effectivement. T'as de l'argent ou pas? T'as ton ender chest? J'en ai pas sur le temps. Attends, je vais t'en donner un, c'est normalement, tu viens d'en avoir, donc je vais t'enfiler. Hein. Bah, je te passe en créat. Tu te le gives. Vas-y. Alors, qu'est-ce que je cherche? Des diamants. Ouais, hop, la Netherite. Tu sais que moi j'ai que genre un lingot de Netherite ou deux, je crois. Du coup, j'ai pas de stuff en Netherite, toujours pas. C'est bon, je l'ai. Impeccable. J'ai rien. Il est vide. Ah oui, bon bah tu dois avoir de l'argent quelque part alors. Ah, mais dans ton. Entre nous, c'est la ville que j'avais juste avant, j'avais une petite base, donc j'ai développé mes. Avec Johan, on a ramené les anciens shops et t'avais de l'argent dedans, dans ton shop. Donc on l'a ramené, ouais. On a mis ça à la banque. Limite, je vais te ramener ça quand je vais faire les tests de la gare là. Bah, j'en avais beaucoup ici. De quand je vivais. Pas les Sarah, mais d'autres du coup. Ouais, bah ça je sais pas du tout du coup, mais ce qu'il y avait dans ton shop, en tout cas on l'a ramené. Il y avait quand même un chemin de fer de ville aussi, si je dis pas de conneries. C'est une bonne question, ça je sais plus. Je sais pas, j'ai peut-être pas déménagé là-dessus. Eh bah écoute, fais ta plaisir. Mais je viens de faire la gare donc. Pas de faire. Normalement, elle marche. Je vais être un peu plus loin parce que j'ai un build un peu plus gros que je voudrais faire. Oui, bah après, si tu veux juste emmener les rails un peu plus loin, c'est pas compliqué. Normalement, alors du coup, si on arrive de là, ça part là, tac 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 tac, ça nous emmène là. Ensuite, on arrive à la réputation. Oh putain, non mais. Je pense sur une colline parce que je pensais que ça allait être intéressant, une faille énorme au milieu quoi. Là, je me suis gouré, il y a un défaut. Comment je règle ce truc là? Normalement, comme ça, et ça marche. Ouais, normalement, ça doit fonctionner, ça. Bon, je vais tester d'abord l'arrivée, pour le fait que tu puisses aller jusqu'à ta ville. Enfin non, je vais peut-être plutôt d'abord tester le retour, puisque de toute façon, l'arrivée, je dois la tester pour te ramener tes trucs. Du coup, je vais te ramener ta thune. Ok, ça a l'air de fonctionner. Ah, faut que je remette du bois dans ma cheminée. Ah ouais.
Hop. Donc le retour, ça a l'air de fonctionner. Puis du coup, je pourrais te dire aussi les shops qu'il y a disponibles. Tu veux que je te le dise tout de suite ou pas? Je suis en train de faire bouillave. Ouais, tu me dis quand t'es... C'est bon, psychologiquement? Ouais, ouais, tu peux me dire, hein, du coup. Alors, il y a la bouffe. Merde. Il y a le magasin de Redstone. Donc, tous les items de Redstone. Là-bas, c'est quoi déjà? Il y a tous les items du Nether, parce que du coup, c'est une update de Nether, la 1.16, donc il y a plein de trucs dans le Nether. Il y a l'Ender aussi, parce que l'Ender avait beaucoup été modifié. Les potions. C'est éventuellement il y a des litras, ça, ça m'intéresse. Mais... Alors, personne ne vend des litras pour l'instant. Mais les élytras, tout le monde peut en vendre. Mais par contre, dans l'Ender... Ah, faut les trouver, quoi. De quoi? Oui, faut les trouver. Faut les trouver, quoi. Il y a... En magasin possible, il y a la neige et glace. Enfin, tous les trucs de biome neige, quoi. Mmh. Et je crois que c'est tout. Tout le reste est pris. Ça a l'air. Et ta moula, c'est... Liam, ça doit être là. Je sais même plus ce que je vendais. À la base, tu vendais des potions. Alors, il n'y avait pas beaucoup de thunes dans ton shop. Hein. Je pense pas que j'en ai vendu beaucoup. Il y avait 18 coins. Je te ramène ça. J'en avais plein dans mon coffre, dans ma petite maison, dans la ville où j'étais juste avant. C'est possible. Bah, si tu veux, j'irai voir après. Je te ramène ça, ouais. Et je teste la gare par la même occasion. Alors toi, c'est plein d'or. Toc. De toute façon, faut que je teste la gare dans un sens comme dans l'autre, donc... T'as moyen d'être couché ou pas? Bah, je vais arriver pas très loin de chez toi. Je suis dans le train, là. Tu peux m'expliquer pourquoi tu fais enculer de partout là d'un coup Non mais il y a 3 zombies qu'on se met derrière moi. Oh, je vais laisser se transformer en drone-aide. J'arrive. Papé papa, papé papa. Attention, il y a un moche. Il y a des moches. Ah bon? Alors, je te mets ça dans... Ah bah non, faut pas que je te mette dans ton agenda, je peux pas. Tiens. Il y avait ça aussi, t'avais des bâtons et des rails dans ton coffre de magasin. Ouais. Voilà. Si tu veux, on dort. Et puis après, je pars à ton ancienne ville. Si je la trouve. C'est drôle ça. Il y en a des coins qui sont avec un C majuscule et d'autres sans. Oui. Il y avait un vieux stack de coins qui avait été merdé. Et du coup, il se balade. Il y a quelques coins qui traînent par-ci et par-là. Un peu chez tout le monde.
Ouais, le retour en partant de chez toi a l'air de marcher. Bon, par contre, je vais me mettre en créate parce qu'à mon avis, il va falloir que je vole un peu. Tu te rappelles, t'avais créé un serveur aussi avec, avec des Américains ou je sais pas quoi? Oui. C'était. Je crois que c'était à l'époque où t'avais commencé à venir sur ce serveur-là, c'était au même moment, c'est pour ça qu'il t'a pas trop fait des trucs celui-ci. C'est quand on a fait la Bah, transmission. c'est pour ça, enfin, l'autre serveur, j'étais admin dessus. Et je faisais les mêmes builds, je crois que c'est pour ça. Ok. C'est pour ça la maison luxueuse, là, c'était un des builds principaux du serveur. Ah, ok. Et bon, c'est dommage, le serveur, il a jamais décollé, parce que le mec qui le voulait, il savait pas ce qu'il voulait, quoi. Il changeait tous les 2 jours d'idées de quoi en faire. Donc moi je poussais pour garder un peu une idée de base d'un truc RPG un peu historique et tout quoi, et lui il changeait l'idée quoi. Ok. Bon, t'inquiète, Je me souviens, je te montrais la carte à l'époque. Oui, je me souviens, oui. Ah, bah oui, tu me montrais régulièrement, même en stream, enfin, on partage l'écran. Alors, t'inquiète, si ça lag un peu, je suis en train de du coup retourner à l'ancienne ville, donc je charge le Nether, je charge l'ancienne ville. Je trouve que ça charge plutôt bien là, putain, j'avance à fond la caisse. Ah, j'ai failli parler trop vite. Attention, au passage Nether. Alors, je suis à l'ancienne ville. Alors, où est la vraie ville? Alors, Varisvara, c'était vers chez Quentin, je crois. C'était au-delà de Ouais, chez mais c'est Quentin. pas vrai, c'est l'heure du jeu. Alors. Oh putain. Astera, ça te parle? J'ai aucune idée de ce que c'est, Astera. Bon, c'est sans doute ça. Ok. Eh ben, on va dire que c'est ça. Je vais voir. Allez. Est-ce que ça marche encore? Ça a l'air cassé, l'ancienne gare. Hein. Bon, attends, ça se trouve, il y a peut-être juste une minecart, en fait. Ah mais non, je suis con, fallait monter sur une plaque de pression à l'époque. Ah quand même, on a amélioré le système avec le temps. Astera, putain, je me rappelais pas du tout de nom. On va prier pour que ce soit ça, parce que sinon j'ai aucune idée de vers quelle direction c'est. Mais ce qui m'étonne du coup, c'est que Astera, tu l'avais fait dans la même direction que Varesvara. Oh là. Ça m'inquiète. C'est quoi ce bordel? Ok. Bah, j'arrive à une gare avec trois interactions où il n'y a plus marqué Astera, il y a marqué Walzer. C'est chez bah, Walzer quoi. Il y a marqué Varisvara et Quentin. Donc si ça se trouve, ta gare, ta nouvelle ville, elle n'avait pas encore été reliée. Hein. Auquel cas, j'ai aucune idée de ce qu'elle est. Alors, t'avais creusé le tunnel, mais je crois pas qu'il t'ait posé les rails. Oh putain. Eh bah, ben, alors il va falloir que je cherche le tunnel. Bon, attends, je vais chez Walzer d'ailleurs, d'abord voir, parce que je me souviens même plus de comment ça ressemblait chez lui. Ah si, chez Walzer, il était dans une espèce de désert. Ok, donc ouais, je me souviens, lui, où est-ce qu'il habite? Oh, le merdier.
Donc attends, à l'ouest. Attends. Donc ça c'est chez Bulzer, je crois. Si je sors là, c'est que la sortie. Ouais, c'est ça. Si je sors, je suis chez lui, ok. Donc c'est pas ici. Donc... Je crois pas que c'était à l'ouest. Au nord, il y avait la zone de PVP. Je me demande si c'était pas au nord que t'étais installé. Moi, je m'étais installé au nord aussi. Non, non, mais non, j'étais tout seul au nord. Ouais, au nord, je crois que j'étais tout seul. Tu devais être au sud. Au sud, il y avait Marc. Et à mon avis, t'étais plus loin que lui au sud. Sinon, oh, j'étais parti à l'est, en tout cas de la carte. À l'est? À l'est, c'est possible peut-être. À l'est, il y avait Johan qui était proche, à l'est. Peut-être t'étais loin à l'est, toi. Putain, je me souviens plus à l'est. Puis les voies ferrées, elles étaient moins bien faites aussi parce que c'était à peu près en point cardinaux, mais pas exactement à l'époque. Genre, c'était pas 4 lignes droites. On avait fait des espèces de zigouigouis un peu. Si, je me souviens, t'étais au sud. Je suis quasiment sûr. Je crois que j'ai un souvenir, un espèce de souvenir qui vient de me pop dans la tête. Ah, ça me parle. Je crois que t'étais au sud. Et oui, je crois que j'avais creusé le tunnel. Alors le sud, c'est vers Johan, Simir, ouais, c'est vers Marc. C'est vers là. Alors j'espère que les rails existent encore, par contre. Jusque là-bas, parce que je sais pas où est-ce que ça a cassé. En tout cas, vers l'ouest, alors Varisvara, je pense, ça a été coupé quand même, mais vers l'ouest, ça a été gardé intact sur longue distance, en tout cas. Ah, ce serait bien que je puisse acheminer toutes mes vieilles ressources, quoi, tu vois. Bah ouais, ce serait pas mal. Alors que chez moi, au nord, la voie ferrée, elle a complètement été baisée. Mmh. Alors pourtant, j'habitais pas loin, mais... C'était pas la maison que t'avais fait avec Mathilde. Ouais. T'imagines à quel point c'est vieux? Oh là, ça doit être... On va continuer vers The Flou, je pense. Sacré histoire, quand même. Ouais. La maison dans la montagne, là. Ouais. Ça va, je te fais pas trop laguer? Non, c'est assez fluide. Oh putain. Eh ben, pourtant, je parcours des kilomètres. La chose, je suis en train de tronçonner du bois, là, donc... Ah, c'est bon signe. Il n'y a pas de gare intermédiaire, mais il y a deux voies ferrées. À un endroit, genre, qui vont nulle part. Enfin, qui vont nulle part, je veux dire, où je vois pas la direction. Bon, par contre, je suis obligé de prendre au pif. On va dire que c'est celle de droite. Hein. C'est bon signe, ça. Ouais, il y a les rails de poser, mais la gare intermédiaire n'a pas été faite. À mon avis, c'est ça. Donc là, il y a les rails, hein. Il y a juste à poser ton minecart. Et en plus, j'ai l'impression que ça n'a pas été niqué par la map. Hein. Il me semblait que c'était assez intact hein, quand j'avais reco. Je crois que c'était niqué juste à côté, mais pas dans ton biome, moi, il me semble. C'était niqué sur le biome d'à côté, je crois, de mémoire. Au pire, c'est quoi tes coordonnées actuellement? Bah, comme ce que je t'avais dit avant. Elles sont dans le chat, normalement. 5460 et moins 175. 5460. Ah oui, ouais, non, c'est très très loin. Il y a plus de 6000 blocs de différence.
je sais plus quel niveau est bon maintenant pour miner des diamants. C'est toujours le même. On n'a pas passé la mise à jour du changement de niveau. C'est toujours 10 et 11, 10 et 11 en couche. Putain, je suis en train d'aller tellement vite là, si t'as pas de bug, c'est incroyable. Le serveur il carbure là. Oh là, je speed à fond la caisse. Ah, je crois que je suis arrivé. Il y a une montée, un V escalier pourri. Et t'étais long encore, hein. T'étais vraiment parti loin. Touk touk touk. Ouais, à mon avis, je suis au bon endroit. Il y a des spruces partout. Ouais, j'y suis. Ah, t'avais construit une ferme à golem là. Touk, petite ferme à golem. Ouais. Ouais, je m'en souvenais pas de ça non plus, la ferme à golem. C'est quoi ça? C'est bien parce que je pensais déjà à ce que j'avais fini, j'ai pu te faire. Alors, Je pense que peut-être que je vide mon inventaire et tu me TP là-bas et pour prendre tout. On va faire mieux que ça, ouais. Je vais te mettre en créatif et je vais détruire les items et je te l'ai dit au fur et à mesure. Oh putain, on va attendre. Je te passe en créat. Attends, je remonte et je vide mon inventaire là-bas. Peut-être juste bien qu'on dort, mais soit que... Ah bah non, je vais pas mourir en fait. Je vais essayer de faire le tour comme il faut. T'auras plusieurs bâtiments à faire. Hein. Ouais, je vais essayer de faire le tour comme il faut. Gif-toi des coffres, hein. Gif-toi des coffres. Ouais, j'en avais déjà crafté. Ok. T'as les pauvres PNJ là, complètement paumés en haut de leur montagne tout seul là. Ouais, vas-y, raconte. Alors. Tiens, il y a un coffre là. Tac tac tac. Ah, attends, faut que je vide mon inventaire aussi parce que c'est le bordel du coup. Donc. Un. Tac. Un stack et demi de charbon déjà. Non, attends. Ouais. Donc, un stack et un demi-stack. Ouais. Un stack de roche cuite. De roche quoi. Donc, de la stone. Ouais. Hop. 23 lingots d'or. Ah bah c'est bien, t'as des gold du coup. Tac. Ah oui, bah t'as d'autres stacks de charbon, attends. Je comprends pas comment t'accédais à ces fours là, mais je les vois de l'extérieur. Oh, gif-toi 3 ou 4 stacks de charbon. Il y a plein de fours là avec plein de. Ouais, parce que là il y a je sais pas combien de fours avec chacun 20, ah, 30. C'est moi que je regarde en même temps. Ouais, vas-y. Tac tac tac. Partage d'écran. C'est bon, tu vois? Ah, mais oui, tout ça, c'est accessible depuis l'intérieur. Mais j'ai pas compris comment il accède de l'intérieur. Alors, ouais. Du coup, tu t'es passé des stacks de charbon? Ouais. Impeccable. Bon, faut que je détruise tout ça. Tu t'es passé les 23 gold? Ouais. Donc, il y a un lingot de fer, mais je pense qu'il y en aura plus, donc... De toute façon, j'arrondis toujours là, au supérieur, quand je vois des trucs. Donc, la roche, 3 stacks, t'as détruit, là? Ouais, je pense, ouais. 3, là, il y en a un quatrième. Il y en a un cinquième encore. Un sixième. Et ça, c'est moi qui l'ai posé. Hop. Oh, c'était l'industrie. Ouais. Mais je sais pas comment t'y accéder par l'intérieur de ce truc-là. Ça? Bah, t'as une petite cour, hein. Ouais, mais quand je suis dedans. Bah. Là, c'est pas droit, t'en as deux. Oui, mais t'as que deux, alors qu'à l'extérieur, il y en a plein.
C'était peut-être juste esthétique alors que j'avais fait pour le dehors. Ah, à travers la lave, on y accède? Ouais. Je pense que c'était plus pour l'esthétique que pour... Alors, dans ta ferme à fer, elle a pas dû fonctionner parce qu'il y a zéro lingot de fer dedans. Bah, soit ça, soit je l'ai ramassé et ça n'a pas rechargé depuis, quoi. Ouh, alors là, j'arrive à une mini salle d'école, j'ai l'impression. Un point t'as rien vu encore. Bon, du bordel. Bon, deux stacks d'œufs. Oh, attends, le vert déjà. Ouais, t'en as pas à faire le nombre exact à chaque fois. Ouais. Bones. Tu veux que je te les dise ou t'as deux, bah, t'as deux écrans de toute façon? Ouais. Ouais, donc t'as pas besoin que je te les dise. Tac. Du fil. Pour le 4. Pour le super 4. Il m'en fallait. Oui, tout à fait. Tac. Ok. Bon, le gun panard, je m'en branle. La flèche, j'en branle. Les flèches, je m'en branle. La spanel, ça, je m'en branle pas par contre. Tac. Et pour ce coffre-là, c'est bon, je pense. Tiens, c'est drôle, t'as une map pas actualisée de la ville. Hein? De l'ancienne ville, là, regarde. Là où c'était avant, dans le désert? Ouais, mais en plus, elle était même pas finie. La ville? Ouais, ta map, elle a pas été actualisée depuis très longtemps. Ça se montrait quelle poche on servait. C'est clair. T'as une bonne hache en diamant. Solidité 3, fortune 1, efficacité 2. Je veux bien que tu me la ramènes, du coup. Ok. Toi, si tu veux que je me la craft. Non, je vais te la ramener, ce sera plus simple, t'as raison. Je vais me détruire ça, comme ça je vais la foutre dans mon inventaire. Je vais me faire une triple ligne pour toi à gauche. Je vais détruire ça. Hop. Ensuite, oula. Des wagonnets, des cisailles. Il y a du matos de... Bon, je te fais la liste. Non, tu les vois? Ouais, je les vois. alors. Ça, je sais même pas comment ça s'appelle le monde pique en... J'avoue, je compte quasiment même plus ce que je suis en train de copier là, tellement ça fait mal à mes doigts. Bon, c'est ça, un demi-cope de cobalt, je crois que t'avais dit, c'est ça. Hein. Oui. Ok, c'est bon. Ensuite. Oh, déconne. Et il y en a d'autres en dessous. Il y a un coffre et demi de terre. Faut qu'il m'a acheté ça en plus au kilo à l'époque. Ouais. Oh, c'est vraiment de ta faute. Bah puis, attends, je t'avais aidé à terraformer en plus, on avait tout terraformé ça là avec Stup et moi. Tous les trois là, il y avait des blocs avant. Tout ça pour que ça finisse en terrain vague. Ah, il y a un four là. Ça va, y a rien dedans. Bon, je me ferai qu'un coffre, hein, tu le pèteras, hein, ça je m'en bats avec. Hein. Ok. Attends, j'ai pas fini. Hein. Ah. Putain, non plus. C'est bon. Je crois qu'on a fait le plus dur, après, il y a que des petits bouts de conneries. Okay. Alors, de la poudre lumineuse. Alors ça, franchement, hésite pas à te les donner, parce que c'est des ressources qu'on n'a pas en quantité astronomique. Donc c'est une colonne plus une colonne, une demi-colonne, donc une colonne et demi. Ok. Trois stacks de poudre à canon. Dix-sept pépites d'or, il y a des carottes, il y a huit carottes dorées, des œils d'araignée encore, du sucre, une lame de gast. T'as de la chance qu'il n'y ait pas plus de coffres de cobalt et tout, parce que j'aurais foutu le feu à toute la baraque là, sinon. Oh, il est enchantant, faudrait que tu me les ramènes, hein, par contre. Ah non, je peux me les giver en fait, non? Ouais, tu peux te les giver, ouais. Après, il n'y a pas grand chose, il y a un toucher de soie.
Le reste, c'est surtout des tranchants. Tu te dupliques plusieurs tranchants 2 et puis voilà. Parce qu'il y a plein de tranchants 1 et tout. Il y a un solidité 2. Il y a un peu de puissance. Voilà, en vrai, c'est quasiment tous les mêmes, donc ça va aller vite. T'en es où là? Je crois que je skip enfin ce coffre là, c'est bon. Donc les enchantes, bah, tu te files du tranchant 2. Il y a un protection 4, donc ça tu peux te le giver aussi quand même, parce qu'il faut pas déconner. Bah, je vais te le ramener le protection 4, t'en rates pas. Des puissances 2, give-toi-en 2-3, parce que t'as plein de puissance 1. Give-toi ensuite tes 2 et un toucher de soi aussi. Je vais te le ramener Alors, aussi. je vais de soi et l'autre t'as dit. Et solidité 2. Putain, je sais plus comment ça s'appelle en anglais ça. Unbreaking. Unbreaking, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, ça, je te le ramène, c'est des outils. Écoute, il y a une tripotée d'outils en fer. Il y a 4 sauts. Regarde mon écran, parce que là, j'ai la flemme. Alors, il y a hache et pelle principalement. Alors, il y en a 7. Et les pelles, il y en a 9, 12, 4, 5, 6, 7, 11. C'est bon? Torche. Comme ça, je te le ramène. Ouais, les arcs, y'a quoi? Que du puissance 2, il y en a 4. Bon, on peut dire que j'ai un puissance 4 du coup, non? Ouais, vas-y, vas-y. Je te ramène ton armure, même si elle est pas enchante, ça évite de la. Enfin, bon, je te ramène des trucs. Je te ramène ton épée aussi, tiens, donc j'y suis. Alors, on attaque les minerais, ça c'est intéressant. Ah, j'ai encore besoin d'un nouveau coffre là. Oh, il va falloir que tu viennes voir la salle politique sur le terrain. Y a les shulkers dans cette mise à jour. Alors, on a une mine entière de charbon, putain. Donc, il est moins 3. Ouais, alors ensuite la redstone. Le stone. Emerald. Ça on l'a fait. Ça on l'a déjà fait. Les bois sont balais comme ouais, ça, ouais. Je crois. Il y a des stacks de bois de chêne quand même, c'est important. Ouais, mais bon, je vais m'en refaire ici si c'est vraiment pas. Hein. Bon, ça évite de les couper. Ouais, je vais être obligé de les couper pour faire la place de toute façon. C'est bon, je fous le feu! Est-ce que je fous le feu à la baraque ou. Peut-être pas non plus. Hein, je vais juste des papes. Ah oui, c'est vrai que je pourrais faire ça. Ça éviterait les problèmes. Alors je vais mettre en fly pour éviter de ramasser tout le merdier là. Oh et je vais faire crash le serveur. Mais ça va jamais dépop si je suis à côté. Enfin, en fait, je vais être à côté, mais après je vais partir. Du coup, ça va pas dépop. Mais si. Et on pense. J'ai entendu le gros. Après, je suis en créate. Ah bah non! Je suis full, si je suis full, ça a détruit. Hein? Oui, quand t'es en créate, quand t'es full, ça a détruit.
fait disparaître les ressources. Ok, c'est nouveau. C'est trop pratique. Ok, je suis en aspirateur. Je prends des peuples dans la maison. Je suis en aspirateur. Alors. Ah, c'est vrai que tu suis bien. Alors, je sais pas ce que tu fais avec ton aspirateur, mais normalement il aspire plus. Ouais, okay. À droite. Ah, attends, ah oui. Ce truc là, là. Ouais. Alors, déjà, tu peux te kiffer une table d'enchant avec des bibliothèques. J'ai peur d'ouvrir les coffres. T'as combien de. Bookshelf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 12. Tiens, il y a encore des stacks de charbon. Bah écoute, passe-toi encore 3 stacks de charbon. Hein. C'est pas passant, on va aller se coucher quoi. Si on... même pas le temps d'en faire parce que ça se passe sans. Oh putain. En plus, je crois que c'est des coins tout ça, t'as pas. Oui, c'est des coins. Si tu peux. T'as un stack de coins actuellement là où t'es. Enfin, t'as des coins. Tu fais clic molette dessus, ça va dupliquer, ça va les renommer. Ça va garder le nom. J'ai pas. Non, mais t'avais quelques coins tout à l'heure que je t'ai ramené. J'ai perdu. Mais non, tu les as foutu en under chest. Ah ouais, bien vu. C'est des coins avec un petit C. Oui, c'est original. Oui. Donc j'avais combien? Une ligne. Une ligne et une demi-ligne. Une ligne et 1, 2, 3, 4, 5 sacs. Quasiment 5, on s'en fout. T'avais 34 diamants aussi. Ok. En 4 diamants. Bah, il y a deux coquilles de Nautilus, je sais pas si t'en veux, ou je sais pas si ces trucs-là, il y a rien. Torche. Je sais pas si on peut en faire des trucs de Nautilus de toute façon. Non plus. Je crois que ça va faire un truc qui permet de respirer sous l'eau. Mais bon, on en retrouvera. Ah, une cache en diamant, c'est ça? Ouais. Ok. Quoi d'autre? On va avoir plein de intéressants d'autres. Il y a encore des émeraudes, 18 émeraudes. Il y a encore du vert. Puis le reste, c'est de la merde. Il y a des sels. Il y a deux sels. Et... c'est bon, j'aspire tout? Ouais. Merde. Bon, je vais taper un trou dans le mur. Oh, je pense que personne ne va. Alors. Tiens, il y avait des coffres dehors. Coffres dehors, je sais pas si c'est des trucs dedans. Bon, je peux aspirer. Ah bien, je l'ai détruit, bon, depuis. Bon, ça, ce bâtiment-là, ça, c'est ça. Ça, je l'ai fait. Qu'est-ce qui manque? Il y a un bâtiment, là. Voilà. Une forme à lâche. Bon, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Touk, touk, touk. Je crois que c'est tout, non? Bon. Ah, il y a un coffre, là. Au milieu de la plaine. J'ai peur qu'il y ait des stocks de terre dedans. Il y a un peu de tout. Bon, écoute, gifte ce qui t'intéresse. Hein, Prends l'aluminite, par contre, parce que l'aluminite, on n'en a pas... gifte-toi un demi-stack d'aluminite, en plus. Ben, je crois que c'est bon. J'ai rien oublié. Ouais, je crois aussi. On dirait, hein. Alors, comment je suis arrivé chez toi? Ah, ça doit être là, l'espèce de poteau. Ouais, ça doit être là. Ah, j'avais déjà plein de caillasses sur moi en plus. Attends, je peux me TP sur toi? Oui.
Coucou. Voilà, l'arrivage. Alors, c'est le bordel. Tiens, je te drop tes trucs du coup. Voilà. Bon, voilà. Impeccable. Bon, bah, c'est l'heure d'aller se coucher maintenant. Moi, ouais, je pense, hein. Okay. On a fait un beau rangement, Ouais. Petit coup de nostalgie. hein. Ouais, c'est clair. C'était drôle de retourner dans l'ancienne ville. Avec le caribou.